par la personnalité de l'homme et par ses performances. Il a vu le Premier ministre, il lui a fait part de son projet. Évidemment, le Premier ministre ne pouvait pas dire non. Tshitenge Lubabu s'est mis à écrire donc la biographie. Voilà que le Premier ministre va terminer son mandat. Voilà que quelques années vont passer sans qu'il voie le livre arriver. Il cherchera à savoir pour quelles raisons Tshitenge Lubabu ne faisait plus signe de vie. Il apprendra que Tshitenge Lubabu est malade. La maladie était tellement grave qu'il ne pouvait plus continuer à écrire. Alors il lui sera demandé de citer un nom d'une personne qui pouvait continuer le projet et le porter jusqu'au bout. C'est alors que le nom de Makolo Moussasoa Bertin sortira de sa bouche. Les services de l'ancien Premier ministre vont se mettre à chercher Bertin Makolo Moussasoa. Mais comme on leur avait dit qu'il est professeur à l'UNIKIN, ils sont passés par le recteur de l'Université de Kinshasa, qui était en ce moment-là le professeur Ngoma Yansouzi. C'est donc le recteur qui m'a réveillé un matin avec une voix un peu corrossée pour dire « Voilà, le Premier ministre cherche à vous rencontrer et vous êtes injoignable. » Mais cette information dans la maison avait créé une surexcitation. Mon épouse, comme les enfants, pensait « Voilà, je vais être nommé conseiller à la primature. » Et on avait dit simplement « Premier ministre ». En ce moment-là, c'était le procès de Lungai Lunkamba. Je doutais un peu, je me disais « Oui, on se connaît de nom, c'est un aîné, mais qu'il pense à moi ?» Bon, je doutais un peu. C'est lorsque je suis entré en contact avec le secrétariat que j'apprenais qu'il s'agit de l'ancien Premier ministre, donc de son Excellence Matata Ponyo, et on m'indiquera l'endroit où j'allais le rencontrer. Le rendez-vous m'était fixé à 8 heures juste. Je devais venir du campus et j'avais ouï dire que son Excellence Matata Ponyo était un as de la ponctualité. Je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire pour arriver à 8 heures? Malgré l'effort que j'ai fait pour quitter le campus à 6h30 du matin, les bouchons, l'embouteillage sur l'avenue du Flambeau étaient tels que je n'allais pas arriver à 8 heures. Je reçois un premier coup de téléphone. La secrétaire cherche à me localiser. Je lui dis la vérité et puis je commence à stresser. Quelques temps après, deuxième coup de téléphone, alors je me dis, il faut que j'abandonne la voiture et que je prenne une moto. C'est grâce à un wewa que je suis arrivé derrière la poste de Tshitenge Lubabu pour la confiance qu'il m'a témoignée, mais aussi pour l'amitié. Une amitié que le temps et l'éloignement dans l'espace n'a pas altéré. J'avais fait la connaissance de Tshitenge Lubabu au début des années 80 dans le cadre de l'Union des écrivains ayurois, qui organisait souvent chaque mois des rencontres pour les jeunes écrivains. Et c'est dans ce cadre que je vais rencontrer Tshitenge Lubabu. Il était journaliste et animé une émission consacrée au nouveau livre à la RTNC. Cette émission passait chaque samedi, 15 minutes avant les informations. Il m'intéressera donc à cette émission et il m'a invité pour présenter les nouveaux livres. Je le ferai donc de 1980 à 1985 et puis nous allons nous séparer pour nous retrouver seulement en 2014. Je tiens à lui dire infiniment merci et je voudrais que vous puissiez accepter que nous puissions garder une minute de silence en sa mémoire.
Mesdames, Messieurs, chers frères et sœurs, avant de procéder au baptême de ce livre, moi, comme pasteur, je suis habitué à baptiser les humains. Mais aujourd'hui, j'ai le privilège de baptiser un livre. En principe, j'aurais pu être ici avec mon chef, le président de l'église de l'Église au Congo, le révérend professeur Bobondoa, André Bobondoa Bolikabé. Malheureusement, il est empêché. C'est pourquoi il m'a demandé de parler et à son nom et à mon nom. Mais avant de procéder, chers frères, chers amis, je voudrais quand même dire un petit mot. Permettez-moi de dire un petit mot, je ne serai pas long, comme je suis souvent long dans les auditoires ou dans l'église. Je voudrais dire que ce livre sur Augustin Matata Ponyo Mapon, je viens de le lire en diagonale tout à l'heure là, et je me suis retrouvé parce que tout ce qui est dit ici résume, c'est que un jour, lorsque le professeur Matata Ponyo était à la primature, il m'avait reçu pour d'autres choses que je ne révèle pas ici. Et il m'a raconté sa vie, toute sa jeunesse, jusqu'à la primature. Et j'ai cru, j'ai compris qu'on peut partir de rien pour devenir un grand monsieur. Je me suis retrouvé aujourd'hui en lisant en diagonale, comme je venais de le dire, dans ce livre, parce qu'il me l'avait dit en quelques mots et je me suis retrouvé. Donc c'est pourquoi je veux baptiser, non pas un humain, mais un livre. Écrit bien sûr par des humains, autour d'un humain. Matata Ponyo Mapon, des bidonvilles à la primature. Un livre parcours remarquable d'un homme politique, écrit par deux grands auteurs. Je te baptise ce matin au nom de l'humilité. L'humilité qui, dans la vie, précède toujours la gloire. Tout en espérant que la jeunesse congolaise ou africaine qui va te lire, elle pourra tirer profit du contenu de ce livre et devenir un jour comme Matata Ponyo Mapon Augustin. Je vous remercie. Prendre la parole parce que il s'agit d'un livre dédié à moi et que les présentations faites par les uns et les autres pouvaient suffire, mais il était important que je dise un mot pour notamment rendre honneur à Tshitenge Lubabu qui nous a quittés
à novembre 2021 et qui n'est pas présent avec nous ici. Je voudrais donc lui rendre un hommage vibrant, le remercier pour cette initiative qu'il avait prise lui-même, parce que alors que j'étais encore Premier ministre en fonction, il a pris l'initiative de venir me voir et de me proposer d'écrire un livre sur moi. D'emblée, j'ai émis des réserves, comme il en est des coutumes, mais il a insisté en disant qu'il était nécessaire qu'il écrive ces livres que nous présentons aujourd'hui, parce que, dit-il, la jeunesse a besoin des modèles. Et pour lui, j'en constituais un. Fort de cette argumentation, j'avais donc accepté ces projets de livres qui, malheureusement, se terminent alors que l'initiateur est allé au-delà. Tshitenge Lubabu est un journaliste brillant. C'est un homme d'une intelligence vive. C'est un Congolais qui s'est imposé non seulement en République démocratique du Congo, dans ce qu'on a l'habitude d'appeler la chaîne mère, la radio et la télévision mère de la République démocratique du Congo, mais qui est allé au-delà et s'est aussi imposé parce que la plume de Tshitenge Lubabu s'est imposée dans le journal Jeune Afrique que nous connaissons tous. Tshitenge Lubabu, qui est allé non seulement à Kindu pour vivre des visus comment j'ai vécu dans une maison en paille, il a rencontré ceux qui m'ont vu jouer au ballon dans la boue, sur la rue, ceux qui m'ont vu aller me laver au fleuve ou dans les rivières. Tshitenge Lubabu ne s'est pas arrêté là. Il est allé jusqu'à Bukavu. J'ai étudié dans une école protestante, a rencontré le préfet qui m'a enseigné. À l'époque, il n'était qu'enseignant. Il est allé à Lubumbashi. On regarde la passion qu'il avait de dire la vérité sur cet ouvrage. Il a rencontré notamment le professeur Mola Bakasangana, paix à son âme, qui nous a aussi quittés. C'est lui qui nous a donné les goûts de l'économie, tellement il parlait avec autorité sur les sciences économiques. Et ici à Kinshasa, il a aussi rencontré l'un de nos maîtres à penser, à citer ici notamment le professeur Tshonzambiye qui nous a quittés, cet homme qui nous a donné les goûts à l'économie monétaire parce que c'était l'un des brillants professeurs en économie monétaire. J'aurais bien voulu aussi qu'il soit présent parce que sous ses ailes scientifiques, nous avons évolué. Et j'aurai d'ailleurs à mémoire de cet auguste professeur, si c'est parce que la technique a prévu un petit épisode, un petit. Avisant. Alors, je lui dis, cher ami, je suis un peu. Je ne crois pas trop en des prévisions parce que. Peut-être que je ne suis pas un bon prévisionniste. Parce que... L'économie monétaire nous a déjà quittés. Heureusement que l'un de ses frères jumeaux, le professeur Kabuya
qu'Allah est encore vivant et donc nous pouvons encore nous référer à lui. Et je ne veux pas oublier une personne importante aussi, le professeur Makolo l'a dit, c'est mon épouse, et Dieu merci, elle est encore avec moi ici. C'est vrai, derrière tout ce que nous avons réalisé et qui a été peint dans ces tableaux bibliographiques, il y a certainement une héroïne dans l'ombre, et donc c'est bien mon épouse. C'est vrai, on dit toujours que les bons ouvrages sont la contrepartie d'un grand travail et parfois des privations et des sacrifices. Et je crois qu'elle était l'une des personnes qui ont donné une partie d'elle-même à tous ces ouvrages. Je voudrais terminer en disant merci au professeur recteur de l'université protestante pour avoir accepté au nom des révérends présidents de l'église Christ au Congo de baptiser ces livres, parce qu'au-delà du symbole il y a aussi la qualité ecclésiastique et spirituelle de l'homme, mais aussi au professeur Makolo. Vous savez, c'est vrai, par l'humilité, vous n'avez pas mentionné l'apport appréciable dans ces livres. Il est peut-être de notre devoir de le dire. Tshitenge Lubabu, en dépit de sa brillance, était affecté par la maladie et à un certain moment, il ne pouvait plus continuer ses livres. Et donc, nous lui avons demandé qui, pensait-il, pouvait garantir l'homogénéité du style, mais aussi la densité et la qualité du livre, et il a pensé au professeur Makolo ici présent. Professeur, en votre nom et peut-être à celui qui vous a quitté, je voudrais aussi vous dire merci. Vous avez certainement apporté quelque chose de très très important dans cet ouvrage. Merci aussi aux deux professeurs qui sont intervenus pour résumer et commenter cet ouvrage. En un mot, ces livres résument l'histoire certainement reprise dans la Bible qui dit que si vous voulez, vous pouvez. Et c'est très bien pour la jeunesse de comprendre que la volonté, la détermination et le sacrifice, le travail ardu constituent des ressorts inébranlables, indiscutables, les ressorts du progrès, et que si vous voulez réussir, vous devez effectivement prendre en compte cet outillage complexe mais inévitable pour prendre l'ascenseur. Partie d'un quartier le plus pauvre de cette ville de Kindu, où l'on dormait à même la natte, à même le sol, et où, vous le verrez dans l'ouvrage, la paille était trouée, et chaque fois quand il pleuvait, il fallait se réveiller, mais pour terminer dans une belle maison, et maison officielle à la primature, et parfois c'était difficile d'imaginer que quelqu'un qui peut venir d'une pauvreté aussi extrême peut un jour côtoyer des villas et vivre dans des hôtels 5 étoiles. Donc, à vous, la jeunesse, rien n'est impossible. Le mystère de la réussite, le mystère du progrès, c'est le mystère du travail ardu, c'est le mystère de la contrepartie qui équivaut à ce que vous cherchez. Encore une fois, merci à tous ceux qui sont venus, malgré leurs multiples occupations, pour participer à cette cérémonie que nous voulons tous heureuse. Je vous remercie.